petit garçon de 4 ans qui a été retrouvé noyé dans une rivière des Vosges. Il avait les mains et les jambes liées. On était un peu estomaqués aussi d'avoir retrouvé ce petit enfant. Je me suis vengé, je l'ai mis dans la Vologne. Si on connaît le pauvre corbeau, on connaît l'assassin forcément. L'arrestation du meurtrier présumé du petit Grégory dans les Vosges, c'est un cousin de la famille, Bernard Laroche. Ça n'a rien à voir là-dedans, c'est pas moi qui ai tué gosse. Et puis que si c'est lui, bah qui ? Quelle la peine de mort. Des personnes comme ça ne doivent pas vivre. Comment monsieur et madame tout le monde peuvent basculer dans la tragédie ? Jean-Marie Villemain a abattu d'un coup de fusil Bernard Laroche, son cousin. Christine Villemain a été interpellée cet après-midi par la police, puis inculpée. Une mère capable de tuer son enfant de 4 ans avec préméditation, c'est la thèse des enquêteurs de la police. Le fantasme de la mère coupable, c'est quelque chose qu'il faut évacuer. Ça me laisse froid parce que j'ai rien à me reprocher. Peut-être effectivement que ce n'est ni Bernard Laroche ni Christine Villemain et que l'assassin du petit Grégory est encore vivant et court toujours. Bonsoir, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de Secret d'Actualité ce soir pour ce numéro exceptionnel consacré 20 ans après à l'affaire Grégory. Qui, comment et pourquoi ? Voilà trois questions qui demeurent toujours aujourd'hui sans réponse dans cette terrible énigme. Qui a tué le petit Grégory Villemain ? Comment les choses se sont déroulées le 16 octobre 1984 ? Enfin, pourquoi a-t-on sacrifié l'enfant de Christine et Jean-Marie Villemain ? Le document de 60 minutes que vous allez suivre ce soir va vous faire vivre ou revivre le film des événements de cette affaire. Vous allez découvrir, pour les plus jeunes d'entre vous, pourquoi ce fait divers a suscité autant de passion, autant d'excès et de dérapage. Pour la première fois, à la télévision, vous entendrez le timbre masqué d'une voix trouble, sombre, celle du corbeau. Derrière cette voix, vous le comprendrez avec notre enquête, il y a tout simplement toute l'affaire. Maître Chastan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'avocate de Christine Villemain, vous l'avez suivi tout au long de cette affaire. Vous avez encore de ses nouvelles aujourd'hui ? Ah, tout à fait, 20 ans après, je l'ai eu encore au téléphone hier. Est-ce qu'on peut dire que cette affaire vous-même vous hante encore aujourd'hui? C'est une affaire qui bouleverse, qui m'a bouleversée dès le départ. C'était il y a 20 ans. J'étais beaucoup plus jeune, évidemment, 20 ans avant. C'est une affaire qui a connu beaucoup d'étapes, qui a été très longue, trop longue même au niveau de la procédure, près de 8 années d'instruction, compte tenu du supplément d'information. Une décision qui était une décision historique. Et puis ensuite, un certain nombre d'autres procédures et l'espoir pour les parents de connaître. Et ils ont fait une tentative avec l'ADN. Alors, avant de suivre notre enquête, je voudrais que l'on regarde une photo. Cette photo, c'est le portrait de Grégory, qui est devenu une sorte d'icône pour la postérité. La photo, la voici. Cette photo, elle a une histoire. À l'époque, elle a été prise, bien sûr, avec Christine Villemain. À cette époque-là, elle ignore que cette photo fera 20 ans après encore la une de l'actualité parfois. Elle a été prise quelque temps auparavant. Grégory était né au mois d'août. Il avait eu 4 ans au mois d'août. Et cette photographie a été prise justement pour avoir une photo. Il y a des étapes dans l'enfance et on garde des photos, on a des portraits de ses enfants à certains âges. Et cette photo était celle qui a été prise à l'occasion de ses 4 ans. Alors Paul Lefebvre, bonsoir. Bonsoir. Chroniqueur judiciaire, journaliste, on ne vous présente plus. Vous avez aussi vécu ce grand cirque médiatique qui a été également cette affaire. On va voir avec vous également une deuxième photo qui a été à l'origine peut-être du déclenchement aussi également médiatique. Cette photo a été prise le jour même de la mort du petit Grégory. Il y avait un photographe. Cette photo sera publiée dans La Liberté de l'Est et puis après diffusée dans toutes les rédactions. Et après, l'affaire démarre. On a pu publier, d'ailleurs, je crois qu'on l'avait publié. À cette époque-là, j'étais rédacteur en chef responsable de ces problèmes-là à Antenne 2 et je crois que nous l'avons publié cette photo en bon titre parce qu'on ne voyait pas le visage de l'enfant. Et c'était, cette photo résume un petit peu le drame, la tragédie qui frappe tout de suite les journalistes et les Français. Et les Français qui à terme, à la limite, adopteront cet enfant par cette image en se disant, oui, oui. Voilà, ils ont vécu quasiment... Un gosse de cet âge-là, tué, quoi. Bon, peut-être même assassiné, les thèses sont... Hein. Maître Chastan, on va suivre et écouter, avant de regarder notre enquête, Christine Villemain. Il s'agit d'un document, d'une interview réalisée par Laurence Lacour, journaliste à Europe 1 à l'époque. Ce 30 mars 1985, Christine Villemain est à la clinique. Son mari, quelques heures auparavant, est venu lui avouer qu'il avait tué Bernard Laroche. On écoute. Allô, Christine ? Oui, salut. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu ? Oh, pas trop bien, tu sais. Je pensais pas du tout qu'il allait faire ça. Il t'en a pas parlé hier matin ? Pas du tout, je sais pas ce qu'il lui a pris.
Mais je pensais pas qu'il allait faire ça. Et qu'est-ce qu'il a dit en revenant l'après-midi à la clinique? Il est revenu, je dormais, il est venu avec les infirmières pour qu'elle me fasse une piqûre. Il m'a dit j'ai tué la roche. Je ne le croyais pas, il s'est mis à genoux, il s'est mis à hurler. Je te dis que j'ai tué la roche, qu'il me disait. Je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit j'ai voulu y aller avec le fusil pour parler. Et la roche lui a dit j'ai rien à te dire. Jean-Marie lui dit comment ça t'as rien à dire, le témoignage de Muriel, qu'est-ce que t'as fait? Alors la roche lui a dit je sais pas pourquoi qu'elle a raconté ça. Puis ils en sont venus aux expertises. Et puis aux expertises, la roche lui a dit de toute façon les expertises, on les a payées pour enfoncer ta femme qui lui a fait. Puis il s'est foutu de sa gueule, c'est là qu'il a tiré Jean-Marie. Il me disait je te jure, j'aurais jamais tiré, mais c'est lui qui m'a mis en boule, qui me dit. Il se mettait à genoux, il n'arrêtait pas d'hurler. Je pensais pas du tout qu'il allait faire ça. Maître Chastan, on entend cette voix d'une mère apeurée, affolée, qui a perdu son enfant et qui voit son mari devenir meurtrier. Elle sera tout le temps au cœur de cette affaire, Christine Villemain. Cet enregistrement est tout à fait poignant, parce que c'est le cri de détresse d'une femme qui se retrouve seule. Elle est seule, on lui a assassiné son enfant, les soupçons commencent à se tourner sur elle, elle a failli perdre l'enfant qu'elle portait, elle est hospitalisée à la clinique après une hémorragie, et là, son mari a tué la roche et son mari va être incarcéré. Elle est seule. Alors on va vous retrouver tous les deux, puis d'autres acteurs de ce fait divers, hein, dans la deuxième partie de l'émission. Alors, l'irréparable a été parfois commis dans cette histoire. Par qui? On va le voir. Les micros étaient presque toujours ouverts à tout et à n'importe quoi. Vous restez donc avec nous. L'affaire Grégory, c'est bien sûr un crime, mais aussi une rivalité entre deux familles. C'est aussi des rumeurs, des mensonges. C'est aussi aujourd'hui encore et surtout cette énigme qui a rendu folle la meute, les journalistes, les juges, les gendarmes, les policiers. Tout commence par des jalousies. Une guerre de clans dans un village en apparence tranquille, les Panges dans les Vosges, octobre 1984, les Villemain et les Laroche ignorent encore qu'ils vont être les acteurs d'une des énigmes criminelles les plus médiatisées de l'histoire. Document signé Sophie Le Gall, Frédéric Vézard, Mathieu Lair et Marc Boulet. Dans une vallée paisible et reculée des Vosges, un mystérieux corbeau sème la terreur. C'est un anonyme. Il nous a pêché toute la nuit déjà. Ça y est, t'es un courtois? Tu commences ton bordel? T'aimes bien te faire un chiffre, espèce de fumier. Dis, t'es un homme? T'as une belle larve, t'es un homme, t'es un arbre, écoute. Il y a quand même autour de ces appels, je dirais, un point commun. C'est la mort. La mort et la vengeance. Le 16 octobre 1984, le corbeau bascule dans l'horreur. Sa vengeance s'abat sur un enfant de 4 ans. C'est le père qu'on vise. Et en fait, Grégory est sacrifié justement à la haine qu'on voit son père. Cette revendication du meurtre, par cette lettre-là, on voit bien que le corbeau jouit de ce qu'il a fait et en même temps exprime sa folie. Comble de la perversité, tous ceux qui assistent aux funérailles ont une conviction, le corbeau est parmi eux. Il faisait partie de ce groupe, le corbeau. C'est quelqu'un de la famille. Et pourtant, durant 9 ans, la justice va tenter de percer cette énigme familiale, sans jamais pouvoir établir avec certitude l'identité de ce corbeau. Une affaire criminelle où il y a autant d'erreurs dans les enquêtes, je crains malheureusement qu'on ne trouve pas la vérité. Comment la justice peut totalement déraper sur une histoire? Je veux dire, c'est quand même l'un des plus effroyables gâchis judiciaires du siècle. C'est dans ce chalet de l'Éponge sur Vologne que Christine et Jean-Marie Villemain vivent paisiblement. Un jeune couple qui passe le plus clair de son temps en famille. Chez les parents de Jean-Marie, Monique et Albert Villemain. Là-bas, ils retrouvent également Michel et Jackie, deux des frères de Jean-Marie. Une famille unie et sans histoire.
Ils fonctionnent d'une manière très, très familiale, en clan, c'est une sorte de clan. Ils parlent de leurs problèmes, mais ils parlent surtout de ce qu'ils ont, de ce qu'ils ont acheté, de ce qu'ils vont acheter, leurs voitures, leurs meubles, les accessoires qu'ils veulent. Donc, en même temps, ça crée une sorte de concurrence entre les membres de la famille, quoi. Et dans ce milieu ouvrier, Jean-Marie est celui qui réussit le mieux. À 23 ans, il vient de passer contremaître, ce qui suscite certaines jalousies. C'est celui qu'on appelle le chef. Il est contremaître, il est très sûr de lui. Et dans la famille, il a réussi en quelque sorte. Les autres ont des situations un petit peu moins brillantes, disons. Et c'est celui qui a réussi. Ils ont acheté leur pavillon à crédit, qui est un joli pavillon. Ils ont deux voitures. C'est un petit peu la petite famille modèle. Mais ce dont Jean-Marie Villemain est le plus fier au monde, c'est son fils. Il s'appelle Grégory. Dans les réunions de famille, il est sans arrêt dans les bras ou sur les épaules de son père. On le sent, il y a un lien énorme. C'est le phénix, c'est le plus beau de tout, c'est le plus intelligent. Un bonheur familial qui va s'effriter. Septembre 1981, les Villemain reçoivent des coups de fil anonymes, des appels qui vont bientôt semer la discorde. Le courbeau dans la famille Villemain, c'est un germe de haine, de rivalité. Hein. Il y a des secrets de famille qui sont révélés. Ça met une atmosphère empoisonnée. Certaines de ces conversations téléphoniques ont été à l'époque enregistrées par les Villemain. Nous nous sommes procuré ces bandes. Pour la première fois, vous allez entendre la voix du corbeau. Ce jour-là, il appelle Jean-Marie Villemain pour lui révéler d'étranges secrets de famille. Et qui c'est, dis-moi? Ta mère, je sais. Qui? Qu'elle a peur de la vérité. Ta mère. Oui. Je sais. Qu'elle a peur de la vérité. Ah bon? Et dis-moi, qui c'est l'autre bâtard? Cette voix oppressante, toute la famille Villemain aura le triste privilège de l'entendre. On a recensé jusqu'à 700 appels sur cette période. Donc des fois c'était 3-4 fois par jour, jusqu'à 17 fois par jour. Il y avait essentiellement la voix rauque. Mais il y a eu aussi des appels d'une voix féminine, alors déguisée ou pas, hein, ça peut être une voix d'homme travestie en voix de femme. Encore plus pervers, le corbeau n'hésite pas à faire de macabres canulars. Il s'amuse à faire envoyer des ambulances chez les membres de la famille Villemain. Liliane, l'une des belles sœurs de Jean-Marie, en a été victime. En pleine nuit, un ambulancier l'appelle. Allô ? C'est pas vous qui m'avez appelé ? Ah non ? Qu'est-ce qu'il y a en cours ? Parce qu'il faut l'emmener à Colmar. L'ambulancier lui annonce que son mari, Jackie Villemain, va être hospitalisé d'urgence à Colmar. Liliane Villemain comprend au bout de quelques minutes que le brancardier a été manipulé par le corbeau. Son mari est en fait à l'usine en pleine forme. Mais vous savez, on a dit qu'il était déjà mort il y a 15 jours, je ne sais plus quoi, bien de temps. Il n'arrête pas de nous emmerder, vous savez. C'est lui qui fait ça? Oui, on ne sait pas qui c'est. C'est un anonyme. Il nous a fait chier toute la nuit déjà. À côté des appels téléphoniques, il y a eu aussi des actes plus physiques. Une fois, leur porte a été cassée à coups de hache. Il y a eu des pneus qui ont été crevés sur la voiture, revendiqués d'ailleurs après par le corbeau dans ses appels. Effectivement, ça fait partie des actions du corbeau. Les Villemain sont en train de devenir fous. Pour en finir avec ce corbeau, Albert, le père, décide en 1982 de porter plainte à la gendarmerie. Mais la petite brigade de Corcieux est impuissante face à ce genre d'affaires. C'est un travail lourd hein, de chercher un corbeau, surtout à l'époque. Allez, on n'a pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, il est facile de remonter, de retrouver les numéros, de savoir quel numéro a appelé tel autre numéro à telle heure. À l'époque, on ne pouvait pas. Seule certitude pour les gendarmes, le corbeau connaît parfaitement la famille Villemain.
toute la famille Villemain est sur liste rouge. C'est le corbeau qu'on continue quand même à appeler, donc il connaît les numéros de téléphone. Le corbeau, de toute évidence, est bien renseigné. C'est ce qui se passe à l'intérieur de cette famille. Donc je crois que les gens se soupçonnent tous. On ne sait pas qui est le corbeau, on a des soupçons. Alors ça peut être n'importe qui, je dirais. C'est tout le monde et n'importe qui. Ces suspicions vont détruire ce clan si soudé. Un de ses membres semble être particulièrement la cible du corbeau. Il s'agit du chef. Un terme qui revient dans les courriers, mais aussi au téléphone. Durant certains appels, la voix anonyme se tait pour mieux laisser entendre à ses interlocuteurs cette chanson. Bon, alors, qui est la vraie cible? La vraie cible, c'est Jean-Marie. Pourquoi? Alors, on peut penser que le corbeau nourrit une haine contre Jean-Marie parce qu'il est devenu contremaître dans sa sellerie. Vous ne devez plus fréquenter le chef. Sent que la vengeance s'exerce sur le chef. Il a de la haine, il n'aime pas les chefs, il en veut au chef. J'exécuterai mes menaces que j'ai fait au chef pour lui et sa petite famille. Il y avait chez l'auteur des lettres une espèce de rancœur en disant « si ça ne change pas, ça ira mal ». À vous de choisir la vie ou la mort. Seulement Jean-Marie Villemain est un homme fier qui fait mine de ne pas être impressionné par ce harcèlement. Alors le corbeau met en place une autre stratégie pour le faire craquer. Quand il n'a plus tellement de prise sur Jean-Marie, il va parler de Grégory. Et c'est là que ça commence à déraper. Septembre 1982, Jean-Marie travaille dans son usine lorsqu'il reçoit un appel. C'est encore le corbeau. Cette fois-ci, les menaces se portent sur Grégory. Quand il a été appelé à Autocoussin, Jean-Marie lui a dit « Surtout ne touche pas un cheveu de mon fils ». Et l'autre, il a ricané, lui a dit « Ah ben ça va, j'ai trouvé maintenant. Eh ben ton fils, surveille-le bien parce qu'un jour, tu vas le retrouver stagné en bas ». Stagner en bas, ça veut dire qu'il allait le balancer dans la flotte et que le môme allait être dans la Vologne. Le talon d'Achille était révélé. Son petit garçon, c'était tout. Et ce qui explique d'ailleurs ses réactions. Le père de Grégory s'angoisse de ce coup de fil. Comme si le corbeau était parvenu à ses fins, il s'arrête brusquement. Mais avant de disparaître, il fait un dernier adieu à Jean-Marie Villemain. Les Villemain ne comprennent toujours pas qui peut autant leur en vouloir, mais en avril 1984, Jean-Marie, Christine et Grégory croient enfin qu'ils vont pouvoir revivre normalement. Ils se trompent. Allô ? 16 octobre 1984, 6 mois se sont écoulés. Il est 17h32, Michel Villemain, le frère de Jean-Marie, reçoit un appel. Un drame vient de se produire. Michel est complètement affolé quand il reçoit ce coup de fil parce qu'il a reconnu le corbeau. Il connaît cette voix dissimulée. Il a dit, ben voilà, j'ai jeté le fils du chef à la Vologne, je me suis vengé. octobre 1984, il est 21h15. Le cadavre de Grégory Villemain, 4 ans et demi, est repêché par les pompiers dans la Vologne, à Dossel, village situé à 6 km de son domicile. Le corbeau a donc fini par mettre ses menaces à exécution. L'enfant avait l'air de dormir paisiblement, il n'y avait aucune marque. Par contre, on a repéré quand même le bonnet accroché avec des cordelettes. Était ficelé, quoi. Une mise en scène macabre qui confère d'emblée à cet assassinat un caractère exceptionnel et mystérieux. Le corps du petit garçon est sorti de l'eau glaciale et placé dans une couverture. Le docteur Petit, médecin du village, est appelé sur place. Il reconnaît immédiatement Grégory Villemain. Et
à ce moment-là, bon, évidemment, le visage était très pâle, les deux pupilles étaient dilatées et le corps était manifestement très froid. Mais un autre élément frappe le médecin. Selon lui, Grégory a été jeté à l'eau au beau milieu du village de Dossel, tout près de l'endroit où il a été retrouvé. Il n'y avait pas d'habits déchirés, il n'y avait pas de branches non plus. Hein. Donc moi, je ne pense pas qu'il ait été roulé pendant très longtemps dans le lit de la rivière. Juste à côté du médecin, un gendarme, le capitaine Étienne Cesmat. C'est ce jeune officier qui aura la lourde charge de confondre l'assassin de Grégory. Il sait déjà que ce crime sort de l'ordinaire. La première impression que j'ai eue en voyant le corps de Grégory, c'est le sentiment de sacrifice. L'enfant immolé qui est porté sur un autel pour être tué, pour être sacrifié. C'est cette image que j'ai eue. Très vite, l'enquête commence. Les gendarmes doivent d'abord reconstituer la dernière journée du petit Grégory. Pour cela, il recueille le précieux témoignage de Christine Jacot, la nourrice de l'enfant. À 16h30, le jour du crime, elle est allée chercher le garçon à l'école, puis le ramène chez elle, dans son HLM. C'était une belle journée, donc on est resté dehors. J'ai sorti un ballon et ils ont joué au ballon avec mes enfants. Quand Christine Villemain arrive à 17h, le petit garçon ne veut pas quitter ses copains. Et c'est vrai qu'il a été réticent parce qu'il était en plein jeu, quoi. Alors donc, j'ai été le prendre par la main. Je dis, Grégory, bon, il faut que tu rentres. Hein. Ta maman, elle a du repassage. Et c'est vrai qu'il a pleuré un peu. Que s'est-il passé ensuite? Lorsqu'elle est interrogée par les gendarmes, 2 jours après le crime, Christine Villemain explique qu'elle a directement regagné son domicile sur les hauteurs de l'éponge. Là, elle dit avoir laissé son fils jouer sur un tas de gravier situé devant la maison. Christine Villemain serait ensuite rentrée à son domicile pour repasser du linge tout en écoutant la radio. Tous les volets sont fermés. À cet instant, elle ne pouvait donc ni voir ni entendre son fils. C'est à 17h15 qu'elle serait ressortie pour chercher Grégory, mais l'enfant a disparu. Elle fait le tour de la maison, Grégory n'est pas là. Elle interroge ses voisins sans résultat. Elle décide alors de prendre sa voiture pour aller chercher son fils dans le centre du village. Christine est revenue donc et m'a demandé si je n'avais pas vu Grégory. C'est là qu'elle me dit, écoute, il a disparu, je ne sais pas où il est. Je pensais qu'il serait redescendu chez toi vu qu'il voulait rester jouer au ballon avec tes enfants. Et donc, et puis elle a paniqué, j'ai senti qu'elle avait peur de quelque chose, quoi. Pendant de longues minutes, Christine Villemain poursuit ses recherches. En vain, elle ne verra plus son fils vivant. À 17h32 précisément, le corbeau annonce qu'il a tué Grégory. Et l'on sait que l'enfant était toujours en vie à 17h. C'est donc en seulement une demi-heure que le petit garçon aurait été enlevé devant chez lui, emmené jusqu'à Dossel, situé à 6 km de là, ligoté puis jeté à l'eau. Un scénario qui aujourd'hui encore étonne les enquêteurs. Et quand je vois les lieux, je me demande comment on a pu enlever un gosse à cet endroit-là. Là, on a l'impression que c'est un extraterrestre qui est venu et qui a enlevé ce gosse. Ou alors quelqu'un qui était tout à fait à proximité et qui pouvait en disposer. Le corbeau a enlevé Grégory et l'a tué en prenant des risques insensés. Ça se passe quasiment plein jour. Il traverse des villages, on est dans un lieu où il peut être vu. Bref, il prend des risques énormes. L'audace de l'assassin. Le visage angélique du petit Grégory. L'acharnement du corbeau contre la famille Villemain. Ces 3 ingrédients attirent en masse les journalistes sur les bords de la Vologne. Est-ce que vous orientez toujours votre enquête dans le milieu familial? Je vous remercie, je n'ai rien d'autre à vous dire. Harcelé par la presse,
Les gendarmes doivent aussi faire face à la colère des parents de Grégory. Ce que j'attends, c'est que justice soit faite, c'est tout. Je fais confiance à la gendarmerie, parce que là, c'est invivable, quoi. Moi, je suis un homme, je tiendrai, mais ma femme, elle ne tiendra pas le coup, c'est pas possible. Étienne Cesmat sait donc qu'il doit rapidement identifier l'auteur du crime, mais dès le départ, l'enquête sera entachée de graves erreurs. Dans les premières 24 heures, l'enquête sur la mort du petit Grégory n'est qu'une succession d'erreurs et de maladresses. Un scénario catastrophe dû à l'inexpérience du capitaine Cesmat, le gendarme qui dirige les investigations, et du juge d'instruction, Jean-Michel Lambert, qui n'a que 33 ans à l'époque. Moi, je l'ai pris pour un stagiaire, le juge Lambert. Un visage d'adolescent avec des lunettes, il parlait comme ça d'une petite voix ébahie et presque, il n'était pas sûr de lui du tout. Je me suis dit, c'est lui, le magistrat instructeur. Le jeune capitaine Cesmat, lui, semble bien trop émotif. C'est en tout cas l'avis du commissaire Corazzi, le policier qui lui succédera quelques mois plus tard à la tête de l'enquête. Il pleure avec la victime. Il a le même âge, je crois qu'il a un enfant, ou un enfant à naître, un enfant de cet âge-là. À mon avis, il a été pris par l'émotion et il n'a pas pu correctement donner les ordres qu'il fallait. Donc on a l'impression, presque ce sont des enfants sur lesquels tombe quelque chose qui est de l'ordre de la tragédie. Le capitaine Cesmat commet sa première erreur le jour même de l'assassinat. Il refuse d'ordonner une perquisition, c'est-à-dire une fouille minutieuse de la maison de Christine et de Jean-Marie Villemain. Perquisition, c'est un acte grave. On ne fait pas une perquisition comme ça. Et d'emblée, c'est un élément de suspicion. Il n'y avait aucune raison pour que, au moment des faits, le 16 octobre, voire même le 17, on se dise, mais c'est peut-être, les parents sont pas clairs, aucune raison. On fait toujours une perquisition à domicile de la victime. On n'appelle pas ça une perquisition vis-à-vis de la famille qui est en pleurs bien souvent. On présente ça comme une visite des lieux, et ça n'a pas été fait. Cet acte de procédure aurait pourtant permis de vérifier une fois pour toutes que Christine Villemain avait dit la vérité sur son emploi du temps du 16 octobre. Cette absence de vérification aura plus tard de lourdes conséquences pour la maman de Grégory. La deuxième erreur de cette enquête concerne l'autopsie du corps de l'enfant faite par le professeur de Rennes. Lors de cet examen, les circonstances précises du décès de Grégory Villemain n'ont jamais été établies. Certes, on sait que l'enfant est mort noyé et n'a subi aucune violence, mais l'autopsie n'a pas pu, par exemple, déterminer si l'enfant avait été drogué. Il aurait également été extrêmement intéressant de déterminer si cet enfant avait été jeté dans la Vologne déjà mort ou pas. Est-ce qu'il a été drogué à un moment, c'est possible, hein, parce qu'on voit qu'il ne s'est pas débattu. S'il avait éventuellement été anesthésié, si des produits toxicologiques avaient pu lui être injectés. Il aurait effectivement fallu que l'autopsie soit faite de manière plus complète, c'est sûr. Ainsi, on ne saura jamais ni comment, ni à quelle heure est vraiment mort le petit Grégory. La troisième erreur, commise par les gendarmes, est à coup sûr la plus grave. Le lendemain de la mort de son fils, Jean-Marie Villemain trouve dans sa boîte aux lettres un courrier particulièrement effrayant. Une lettre de revendication écrite de la main du corbeau. Ce courrier, ici reconstitué par les gendarmes, s'adresse directement au papa de Grégory. J'espère que tu mourras de chagrin, le chef.
Ce n'est pas ton argent qui pourra te redonner ton fils. Voilà ma vengeance, pauvre con. Cette lettre n'a pu être rédigée que par quelqu'un qui savait que Grégory allait mourir. En effet, le cachet figurant sur l'enveloppe prouve qu'elle a été postée à l'éponge le 16 octobre, avant 17h15, c'est-à-dire avant l'assassinat de Grégory. Les enquêteurs tenaient donc un courrier forcément écrit par l'assassin ou l'un de ses complices. Seulement, dans le chalet des Villemain, cette lettre bouleversante va passer de main en main. Elle est manipulée par toutes sortes de personnes. D'abord la famille, ensuite les gendarmes, et ensuite on essaie de découvrir des empreintes. Pour cela, les gendarmes ajoutent alors de la poudre magnétique sur le papier. Ils commettent là une énorme erreur. Je pense, me semble-t-il, qu'ils avaient voulu relever, si vous voulez, les empreintes digitales. Mais en fait, ils ont complètement sabordé le document, qui était complètement maculé de poudre noire, et qui rendait même la lecture difficile du texte, parce qu'il y en avait partout. Du coup, la principale pièce à conviction de cette affaire est devenue inexploitable. 20 ans après, Étienne Cesmat reconnaît avoir commis là une faute grave. C'est l'élément le plus important, l'élément matériel le plus important de cette affaire-là. Et hélas, on n'a pas su protéger cet élément matériel. 24 heures après le crime, du fait de maladresse à répétition, les gendarmes disposent donc de très peu d'éléments. Sur le plan matériel, on a assez peu d'indices, hein, parce que comme scène de crime, on a un cours d'eau, on a un tas de sable, on n'a rien en fait. Hein. L'enquête semble donc paralysée dès le départ. Pourtant, le père de Grégory, guidé par une secrète conviction, semble connaître le coupable, comme il en témoigne à un journaliste venu l'interroger. Est-ce que vous avez une petite idée ? J'en ai une, mais je la garde. Les enquêteurs disent que la personne qui a fait ça est dans le cercle familial. Vous y pensez ? Personnellement, oui, mais pareil que non. Sincèrement, Jean-Marie Villemain, est-ce que vous pensez que le meurtrier, l'assassin de votre fils, vous le connaissez? Moi, je le connais. Je le connais, oui. À quelques heures de l'enterrement de Grégory, les gendarmes sont eux aussi persuadés que le corbeau est un proche de Jean-Marie Villemain et qu'il va venir assister aux obsèques de sa victime. Vous ne craignez pas d'incident pour les obsèques ? C'est évident, on risque l'incident. Il y avait un climat de dramatisation absolument gigantesque. Il fallait la solution à tout prix. L'assassin se trouve parmi ces hommes et ces femmes. Soudain, il devient insoutenable de penser que peut-être l'assassin est aussi au cimetière. On sait que c'est quelqu'un de proche, que c'est vraisemblablement quelqu'un de la famille au sens large, qui on ne sait pas très bien. En effet, les gendarmes vont s'orienter sur un parent présent aux obsèques. Il s'agit de Bernard Laroche, un cousin germain de Jean-Marie, très proche du clan Villemain. Malgré les premières erreurs de l'enquête, les gendarmes sont convaincus que cette affaire sera vite élucidée. Il suffit de comparer les lettres du corbeau aux écritures des différents membres de la famille. Toutes les dictées sont envoyées systématiquement à Mme Jacqueline Keller, hein, l'experte qui est en charge du dossier à Strasbourg. Très vite, elle nous dit « Oh, attention, là, personne intéressante, c'est, pour moi, c'est le corbeau ». Les expertises font de Bernard Laroche le suspect numéro un. Un autre élément intrigue particulièrement les experts en écriture. Ils croient avoir repéré sur la lettre de revendication un foulage. Ce terme désigne les traces qu'un crayon peut laisser en relief sur les feuilles inférieures d'un bloc-notes. Il y avait une signature où on pouvait reconnaître un L initial. Assez simple, avec une attaque directe et également un soulignement et à la fin un B script.
ce qui ressemblait terriblement à la signature de Bernard Laroche. Seulement la poudre noire déposée par les gendarmes sur la lettre ne permettra à aucun laboratoire scientifique de confirmer les impressions des experts. Interrogé par les journalistes sur ses expertises accablantes, le couple Laroche tente maladroitement de se défendre. Les gendarmes m'ont soupçonné parce que... Malgré les dénégations de Bernard Laroche, les gendarmes poursuivent leur enquête et effectuent une perquisition à son domicile. On trouve une cassette avec une, notamment une chanson qui a été utilisée lors d'un appel téléphonique du Corbeau. C'est la chanson « Chef, un petit verre, on a soif ». Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Avec ce nouvel élément, les enquêteurs ont la conviction que Bernard Laroche pourrait bel et bien être le corbeau. Seulement, il leur faut trouver un mobile pour ce crime abominable. Et ce que les gendarmes apprennent sur Bernard Laroche, ce sont plutôt des histoires de jalousie, de bas étage. C'est Christine Villemain qui va dire aux gendarmes qu'un jour Bernard Laroche lui a fait du pied. Bernard Laroche aurait des années plus tôt dragué Christine Villemain et qui se serait fait jeter. Jean-Marie avait refusé de lui trouver un travail alors qu'il y avait de la place à Autocoussin. Il y a une rivalité entre Grégory Villemain, qui est un petit garçon très vivant, très vif, très mignon, et le petit Sébastien Laroche, qui a des problèmes de santé un peu compliqués, il n'est pas tout à fait comme les autres. Ces racontars peuvent paraître dérisoires. Pourtant, les gendarmes sont convaincus que ce sont ces frustrations accumulées au fil des années qui ont pu amener Bernard Laroche à se transformer en corbeau assassin. Mais ce qui va leur apporter la certitude que Bernard Laroche et le meurtrier ne font qu'un, c'est son emploi du temps, le jour du crime. Bernard Laroche explique qu'il n'a pas pu passer le coup de fil de 17h32, revendiquant l'assassinat, puisqu'il était chez Muriel Boll, sa belle-sœur. Elle était passée inaperçue, la petite Muriel. Bon, c'était une petite rousse, elle avait 15 ans, c'était la belle-sœur de Bernard Laroche. Cette jeune fille est alors entendue par les gendarmes. Dans un premier temps, elle confirme les propos de son beau-frère, puis au bout d'une heure, elle livre une toute autre version. Et il y a un moment, tout d'un coup, elle craque. Voici ce que Muriel Boll finit par raconter aux enquêteurs. Selon l'adolescente, il est 17h, lorsqu'elle sort du collège, soudain elle entend quelqu'un l'appeler. Bernard Laroche est venu la chercher à la sortie de l'école. Il y avait Sébastien, le fils de Bernard Laroche, dans la voiture. La voiture démarre, direction l'Épange sur Vologne. Il dit, on a monté une côte, à cet endroit-là, on voyait le pignon de la maison de telle façon. Il se gare à quelques mètres de la maison de Christine et Jean-Marie Villemain. Il est descendu de la voiture, il a récupéré Grégory. La voiture repart. Au bout de 5 minutes, toujours selon Muriel Boll, il s'arrête sur la place du village de Dossel, non loin de l'endroit où le corps de Grégory sera retrouvé. Elle dit que la vie un moment, après, Bernard sortir de la voiture avec Grégory et revenir quelques minutes après son nom. Une chose est sûre, Bernard est revenu seul. Pour le capitaine Cesmat, cette déclaration est un coup de tonnerre. Il tient enfin l'élément qui fait de Bernard Laroche un coupable. Muriel Boll, de son côté, semble très calme, malgré les accusations qu'elle vient de porter contre son beau-frère. Elle est vue par un médecin, qui la trouve décontractée. Elle en arrive même à dire, les gendarmes, c'est des copains. Enfin, elle est en tout cas totalement décontractée. Elle donne pas l'effet d'être une fille sous tension. Pour s'assurer que l'adolescente ne fabule pas, les gendarmes cherchent à recouper son récit. On recueille les témoignages de certains camarades de classe qui nous disent de façon très très précise, en se recoupant, qu'elle n'était pas dans le corps le jour-là, mais non seulement qu'elle n'était pas dans le corps, mais qu'elles l'ont vu monter dans une voiture
décrite comme étant celle de Bernard Laroche. Le capitaine Cesmat veut très vite présenter Muriel Boll au juge d'instruction afin qu'il enregistre son témoignage. Seulement, ce vendredi soir, Jean-Michel Lambert semble avoir d'autres priorités. Comme le juge d'instruction a décidé de partir en week-end et n'a pas estimé utile de l'entendre le jour-là, c'est quelque chose d'inimaginable, c'est la réalité. Le lundi, on va la rechercher. Il faut d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse pour dire qu'on est obligé de forcer la main du juge pour qu'il se décide quand même à l'entendre. On la met devant le juge et là, sans notre présence, elle redit tout ce qu'elle a dit. Après l'audition de Muriel Boll, le juge Lambert décide de la renvoyer dans sa famille et d'arrêter Bernard Laroche. Qu'il a été arrêté en direct, en bleu de travail, devant toutes les caméras. Allez, allez, passez. Quand on va arrêter Bernard Laroche à son travail, à son usine, c'est le monstre qu'on arrête, le meurtrier d'un enfant. C'est bon, bouge pas. Le 5 novembre 1984, Jean-Michel Lambert peut savourer dans les journaux télévisés sa victoire, avoir trouvé en moins de 3 semaines l'assassin du petit Grégory. Bernard Laroche est-il inculpé ? Oui, inculpé d'assassinat. Qu'est-ce qui vous a permis de l'inculper ? Un témoignage capitaine et en partie un rapport d'expertise. Des résultats partiels. C'est un témoignage, celui de Muriel ? Exact. Il donne quasiment une conférence de presse devant tous les journalistes et devant toutes les télés pour dire qu'il a bien inculpé Bernard Laroche sur la foi du témoignage de Muriel Boll. Alors qu'il aurait dû également inculper Muriel Boll, ne serait-ce que pour la garder au secret pendant quelques jours et ne pas la remettre dans son milieu familial. C'était pas une bonne idée de rendre Muriel à sa famille. On aurait pu agir différemment. Enfin, Jean-Michel Lambert aurait pu agir différemment. Pourtant, à ce moment-là, il ne vient pas à l'esprit du petit juge qu'il ait pu commettre une erreur et que Muriel Boll puisse le lendemain se rétracter. L'affaire du petit Grégory, une surprise de taille. Ce matin, Muriel, la jeune fille, devant les journalistes, revient sur son témoignage qui avait fait inculper Bernard Laroche. Non, c'était pas la voiture de Bernard. Papa, il y a un gendarme qui a levé la voix et puis j'ai eu peur. Ils ont dit qu'ils me placeraient dans une maison de correction. Que je disais, si je disais pas ça au juge, qu'il me placerait dans une maison de correction. Quand on voit Muriel Boll se rétracter à la télévision, on a l'impression qu'elle récite quelque chose qu'elle a pris par cœur, qu'on lui a dit de dire. Hein. C'est des gendarmes, la maison de correction, des ficelles très très grosses. Hein. Et là maintenant, vous nous dites, Bernard est innocent, je n'étais pas avec lui, ne sommes pas allés à l'éponge. Bernard est innocent, mon beau-frère il est innocent, jamais été avec mon beau-frère. Muriel Boll est une enfant fragile. Je pense qu'on a pu lui faire dire n'importe quoi, qu'elle a pu dire n'importe quoi et qu'elle a pu aussi dire la vérité. Cette rétractation jette le discrédit sur l'enquête et affaiblit considérablement les accusations contre Bernard Laroche. Devant la presse, le juge Lambert essaie malgré tout de faire bonne figure. Personnellement, j'attendais ces rétractations. Elles ne me surprennent donc pas du tout et elles ne m'émeuvent pas davantage. Mais ça fragilise quand même considérablement le dossier. Non, parce qu'il y a d'autres éléments à côté qui permettent de tenir peu de cas de ces rétractations. Mais les autres éléments dont parle le juge Lambert sont les expertises des lettres du corbeau qui désignent Laroche. Or, le juge va commettre une erreur de procédure qui va entraîner leur annulation. Le dossier d'instruction se vidant peu à peu de son contenu, Jean-Michel Lambert se voit obligé de libérer Bernard Laroche et de confier l'enquête à la police judiciaire. Deux initiatives qui vont faire basculer une nouvelle fois cette affaire dans le drame. Le second titre de ce journal, c'est la libération de Bernard Laroche. Après 3 mois d'emprisonnement, Laroche a été remis en liberté hier.
Celui qui était présenté par les médias il y a encore quelques mois comme un monstre devient du jour au lendemain un bon père de famille et un bon mari. Qu'est-ce que vous envisagez de faire donc dans les semaines qui viennent? Déjà, reprendre mon travail le plus tôt possible. Essayer d'oublier. Oublier, un mot que Jean-Marie Villemain refuse d'entendre. Car il reste convaincu de la culpabilité de son cousin Bernard Laroche. Dès lors, le père de Grégory s'enferme dans une spirale de haine et de vengeance. Ça fera pas venir le petit, mais ce qu'il y a dessus, je resterai pas comme ça. On écrirait au maximum des mairies, des communes, tout ça, pour faire toutes des demandes de mise à mort, des peines de mort, parce que des personnes comme ça ne doivent pas vivre. C'est tout. Jean-Marie Villemain ne fait pas mystère de ses intentions. On le sait qu'il a l'intention de tuer Bernard Laroche. Voilà. Et personne ne l'arrête. À plusieurs reprises, Jean-Marie Villemain va tenter d'assassiner Bernard Laroche. Un soir, Jean Kerr va en être le témoin. 27 février 1984. Ce journaliste de Paris Match a rendez-vous avec le couple Villemain chez la mère de Christine. Il a promis de leur dévoiler certaines pièces du dossier d'instruction qu'il a enregistré sur une cassette. Il m'a dit, maintenant, faut que tu tiennes parole, Jean. Faut que tu nous fasses écouter des cassettes, des procès-verbaux. À l'écoute de ces enregistrements accablants pour Bernard Laroche, Christine Villemain semble énormément troublée. Il y avait Christine qui avait un médaillon avec un petit cœur dedans, avec la photo de Grégory, et elle promenait comme ça ce médaillon, et ça m'a frappé. Je me suis dit, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie, là? Et à la fin des cassettes, Jean-Marie s'est levé, il m'a dit, on a quelque chose à te montrer, Jean. Il a été chercher une arme, il me l'a jeté comme ça, et je l'ai pris dans les bras. Il m'a dit, mais tu sais pas tout, ça fait plusieurs jours qu'on va dans les bois faire de l'entraînement. On a été dans les bois, j'ai tiré sur des planches, ça fait un trou comme ça. Il me dit, Laroche, quand il va prendre ça dans la gueule, il aura plus de tête. Non, c'est pas possible, arrêtez. Jean Kerr tente comme il peut de les dissuader. Mais c'est vrai que je l'aurais fait aussi, moi. Je lui ai dit à Jean-Marie que si on avait tué mon fils, j'aurais envie de tuer le meurtrier. Mais je lui avais dit, surtout ne passe pas à l'acte, attends encore que l'enquête se déroule et que le juge fasse son travail. Finalement, Jean-Marie et Christine Villemain finissent par lui promettre de renoncer à leur macabre projet. Jean Kerr rentre alors se coucher. Vers 4 heures du matin, il est soudain saisi d'un doute. Et si le couple Villemain lui avait menti? Après ma voiture, je partais à fond la caisse, jamais été aussi vite. Le journaliste se dirige vers la maison de Bernard Laroche, car il sait que le contremaître va bientôt sortir de chez lui pour aller travailler. Jean Kerr est sur le point d'y arriver lorsqu'il aperçoit la voiture des Villemain, garée en contrebas. Il y avait Jean Marais, il était en position du tireur à genoux avec son arme. Jean Kerr s'interpose et s'efforce une nouvelle fois de raisonner le jeune couple. Et alors il y a Christine qui m'a dit, espèce de salaud, tu nous as remonté à bloc et maintenant tu veux nous empêcher de tuer Laroche. Fous le camp. Et à ce moment-là, il y a une voiture qui est passée à fond la caisse et Jean-Marie m'a dit une phrase que je ne peux pas oublier. Mais tu vois, c'est Laroche qui passe, tu peux dire que t'as sauvé la vie de Laroche. Bernard Laroche a bénéficié d'un sursis, mais pour combien de temps? Jean-Marie Villemain ne cesse de ressasser ses histoires de vengeance, et certains gendarmes, pourtant dessaisis de l'enquête, ne font rien pour le calmer. Bien au contraire. Les gendarmes, qui le voient assez souvent, restent persuadés que c'est Bernard Laroche, des enquêteurs donc avec lesquels il est en contact, viennent le conforter dans ce sentiment, c'est Bernard Laroche, regarde, c'est Bernard Laroche, l'assassin de ton fils est dehors. Il y a eu des propos certainement malencontreux de la part de certains gendarmes qui ont trop parlé, j'allais dire d'homme à homme avec Jean-Marie Villemain. Jean-Marie Villemain veut venger son fils et ne s'en cache même plus. Nombreux sont ceux à qui il se confie, mais la justice ne semble pas prendre au sérieux sa détresse meurtrière.
Une fois, Jean-Marie Villemain m'avait téléphoné, et au cours de l'entretien téléphonique, il m'avait dit « J'ai failli faire une bêtise un jour, je voulais m'en prendre à Bernard Laroche. » Le fait qu'il me le dise, j'en ai informé également le procureur et le juge d'instruction. En même temps, il est évident que ça n'a pas été pris au sérieux. Jean-Vérin lui-même a dit qu'il avait un fusil à pompe dans sa voiture, etc. Immédiatement, moi j'étais voir le juge et je lui ai dit, le juge me dit, oh, on a dit, vous faites pas de soucis, c'est pas grave, etc. C'est tout. Bernard Laroche est en danger de mort. Pourtant, la police en charge de l'affaire ne reçoit aucun ordre du juge Lambert pour le protéger. On sait très bien que Jean-Marie peut tuer Laroche. Mais nous, PJ, on n'a pas les moyens et on n'est pas saisi d'un service d'ordre. On n'a pas un service d'ordre assuré. C'est pas à nous à faire ça. Ce qui va définitivement faire basculer Jean-Marie Villemain, ce sont les accusations qui se tournent vers sa femme. 24 mars 1985, le jeune couple est en voiture lorsqu'il entend ce flash radio. Pour les deux experts, c'est Christine Villemain, la maman de Grégory, qui a probablement écrit la lettre revendiquant l'enlèvement et le meurtre de l'enfant. Il sait maintenant que sa femme peut être désignée comme coupable. À ce moment-là, Christine Villemain craque. Enceinte de quelques mois, elle fait une hémorragie. Son mari la conduit aussitôt à la clinique. Il a tout perdu, je dirais, il a perdu son fils, son boulot, il va perdre sa femme, son second bébé. Je veux dire, il est dans un état inimaginable, il ne dort pas, c'est trop pour lui, on arrête, et pour lui, arrêter, c'est tuer Bernard Laroche. Parce que le père de Grégory n'a plus rien à perdre, il va exécuter les menaces qu'il profère depuis déjà plus d'un mois. Aller chez son cousin et le tuer. Jean-Marie Villemain est arrivé avec son fusil. Bernard Laroche était très surpris. Bernard Laroche a confirmé à Jean-Marie Villemain qu'il n'était pas coupable, qu'il n'avait rien fait. Il lui a dit « Arrête tes conneries ». Et Jean-Marie Villemain a tiré. Bernard Laroche est assassiné devant les yeux de son fils Sébastien et de son épouse Marie-Ange. Jean-Marie Villemain appelle aussitôt la police et se constitue prisonnier. Ce qu'il commettait, c'était la pire des bêtises. C'était la pire des bêtises parce que d'emblée, tout s'est accéléré contre lui. D'emblée, tout s'est retourné contre sa femme. Dès lors, Christine Villemain devra affronter seule les accusations de ceux qui la désignent comme le corbeau. Bernard Laroche est mort. L'incompétence de Jean-Michel Lambert est de plus en plus montrée du doigt. Le jeune juge ne dispose plus désormais que d'un seul suspect, Christine Villemain, la propre mère de Grégory. La France veut un coupable pour ce meurtre abominable. C'est pas Bernard Laroche, et si c'était la mère? Une hypothèse impensable que la police judiciaire va pourtant étayer avec des éléments très troublants. Dès le départ, le commissaire Jacques Corradi, nouveau responsable de l'enquête, est persuadé que la maman de Grégory lui cache quelque chose sur son emploi du temps le jour du crime. Sa conviction repose sur les confidences de trois collègues de Christine Villemain. Ces trois femmes, qui ont témoigné dès novembre 1984, affirment avoir vu Christine Villemain devant la poste de l'éponge vers 17h, le jour de l'assassinat. Mardi soir, je m'arrête chez ma sœur Laurence qui habite près de la poste. Et ce soir-là, j'ai vu Christine qui remontait dans sa voiture. Quand je suis arrivée un petit peu avant la poste, j'ai vu Christine qui faisait demi-tour juste devant la poste. Une troisième collègue de Christine Villemain se souvient même l'avoir vue glisser une enveloppe dans la boîte aux lettres. Une affirmation grave, puisque c'est dans ce créneau horaire et au même endroit que le corbeau a posté sa lettre de revendication. Je pense que les filles de la poste sont de bonne foi.
Ce que je pourrais remarquer, c'est qu'elles font une description des vêtements de Christine qui ne correspond pas à la journée, mais à la veille. En effet, Christine Villemain a toujours nié s'être rendue à la poste le 16 octobre. Je ne veux pas dire qu'elle ment, mais je pense qu'elle se trompe. Je ne suis pas allée à la poste le mardi, je suis allée le lundi. Il a été démontré que Christine Villemain avait effectivement posté un courrier en sortant de son travail, mais non pas le 16 octobre, qui est le jour du crime, mais la veille, le 15 octobre, et ce courrier a été retrouvé. Alors, on est peut-être allé à la poste le lundi. Bon, c'est fort possible, d'ailleurs. Mais elle y est allée le mardi. Son témoignage face au témoignage concordant de ces personnes, de ses amis, ne fait pas le poids. Hein, comme on dit, c'est elle ment. À l'issue de cette audition, le commissaire Corradi et ses hommes, intrigués, continuent de fouiller le passé de la jeune mère. Et ils découvrent un autre élément qui va la mettre en difficulté. Il s'agit du nombre de communications téléphoniques passées depuis chez elle par Christine Villemain entre 1981 et 1983. Ces appels augmentent justement pendant les périodes où le corbeau multiplie les coups de téléphone. À ce sujet, Christine Villemain donne des explications peu convaincantes. Par exemple, ma sœur était hospitalisée, je l'appelais très fréquemment. On vérifie. Et en fait, elle l'a appelé deux fois ou trois. Donc, elle ment. Ensuite, elle dit, je voulais vendre ma voiture. Donc, j'ai passé de nombreux appels. On vérifie, c'est faux. C'est faux parce qu'en fait, elle a passé une annonce et les appels, c'est pas elle qui les a donnés. C'est les gens qui voulaient acheter la voiture qui les ont donnés. Alors, pourquoi, encore une fois, la mère de l'enfant assassiné ment sur ces points importants? Les policiers sont alors persuadés que Christine Villemain a assassiné son petit garçon. Il leur reste pourtant à trouver une preuve matérielle, et cela ne va pas tarder. Au mois d'avril 1985, les policiers effectuent enfin une perquisition dans le chalet de l'Épange, en présence de Christine Villemain. Le commissaire Corradi fait alors une surprenante découverte. Dans la cave, je trouve des morceaux de gouttière qui sont attachés avec une cordelette. Et cette cordelette est identique, absolument identique, à celle qui nouait Grégory. D'autres bouts de cette même cordelette, semblable à celle utilisée pour attacher l'enfant, sont retrouvés sur des chaussures et autour d'un tuyau d'arrosage appartenant au couple Villemain. Donc, ça prouve bien qu'avant l'assassinat de Grégory, chez les Villemain, Jean-Marie et Christine, il y avait de la cordelette identique. Quelques mois plus tard, les policiers seront accusés par les défenseurs de Christine Villemain d'avoir fabriqué ces pièces à conviction. Les conditions de découverte des cordelettes sont troublantes, elles sont bizarres. Il semblerait que les cordelettes, elles auraient peut-être été mises là par des enquêteurs. Je dois dire très objectivement que cette question n'a jamais été élucidée. 20 ans après, Jacques Corradi dément fermement avoir placé lui-même les cordelettes. Les faits sont bien établis puisque Jean-Marie lui-même dit que la cordelette qui était chez lui, c'est lui qui l'a placée. Donc c'est pas nous. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Et ce sont ces cordelettes qui vont précipiter la chute de Christine Villemain. C'est pas une preuve à 100%. Mais là aussi, téléphone, cordelette, ça ajoute au trouble. Et Christine Villemain est de plus en plus opaque, là. Le 24 juin 1985, au palais de justice d'Épinal, Jacques Corradi présente ses conclusions au juge Lambert. Le commissaire principal n'a plus le moindre doute. Pour lui, Christine Villemain doit être inculpée de l'assassinat de son fils. Mais le magistrat hésite. Déchiré par des sentiments contradictoires, il s'apprête à vivre les deux semaines les plus pénibles de son existence. Car le petit juge semble pour le moins troublé par la personnalité de Christine Villemain. Jean-Michel Lambert est fasciné par Christine Villemain. Il est fasciné par cette toute jeune femme
qui dompte, il viendra à penser que c'est aussi une meurtrière et une criminelle. Dans ces conditions, Jean-Michel Lambert ne peut se résoudre à envoyer Christine Villemain en prison. Seulement, un nouvel élément va vite l'obliger à prendre cette décision. Le 4 juillet 1985, une nouvelle expertise graphologique affirme, une fois de plus, que Christine Villemain est l'auteur des lettres du corbeau. Jean-Michel Lambert est au pied du mur. Il doit maintenant demander au commissaire Corazzi d'arrêter Christine Villemain. Jean-Michel Lambert, on le trouve le matin du 5 juillet. Hein. On va le voir. Les Vosges sont un peu dans la brume, il a plu, il est dans son cabinet, tout est éteint. Il a pleuré toute la nuit, il est épuisé. Et il nous dit, vous allez chercher Christine Villemain, je l'inculpe et on l'amènera en prison. Alors là, vous avez le frisson dans le dos. Hein. 3 heures plus tard, Christine Villemain est dans le bureau du juge Lambert. Thierry Moser, l'avocat de la jeune femme, se souvient de l'attitude étrange du magistrat. Il ne nous regarde pas, il a l'air embarrassé et il déclare à ce moment-là « Je me lance, je vais crever l'abcès » et il dit « Madame Villemain, je vous inculpe pour l'assassinat de Grégory ». Hurlement de Christine Villemain qui est absolument scandalisée. 9 mois après les faits, Christine Villemain est donc officiellement inculpée de l'assassinat de son propre fils. Le 5 juillet 1985, à 19h55, Christine Villemain est incarcérée à la prison de Metz. Elle n'y restera que 11 jours. Ferme la porte! Car dès le 16 juillet, la maman du petit Grégory ressort par la même porte. Des magistrats de la cour d'appel de Nancy ont décidé de la remettre en liberté. Motif, le dossier présente encore de lourdes lacunes. Et en premier lieu, personne n'est capable de dire pour quelle raison Christine Villemain aurait commis un crime aussi monstrueux. Il n'y avait pas le moindre mobile. Elle aimait son mari, elle aimait son fils, elle participait à la réussite de son mari. Tous les témoins qui pouvaient être entendus, tous pouvaient dire que c'était un enfant roi, choyé, qu'elle l'adorait. Alors pourquoi diable voulez-vous assassiner l'enfant roi? C'est aberrant. De fait, le juge Lambert ne parviendra jamais à démontrer la culpabilité de Christine Villemain. En mars 1987, l'enquête sur la mort de Grégory est confiée à un autre juge, Maurice Simon. Ce magistrat reprend en détail tout le dossier, sa minutie tranche avec les méthodes du juge Lambert. Monsieur Simon organise des opérations de reconstitution. Il veut tout voir, tout vérifier, tout entendre. Lorsque la reconstitution dure 3 heures ou 4 heures chez monsieur Lambert, chez monsieur Simon, elle dure 3 jours ou 4 jours. 3 ans après le crime, Maurice Simon va ainsi extraire du dossier un élément jusque-là inexploité par les enquêteurs. Un élément capital qui prouve que Christine Villemain ne peut pas être le corbeau. Le corbeau a revendiqué son crime par téléphone le 16 octobre à 17h32. Or, il y avait un élément tout à fait incontournable dans le dossier. C'est que Christine Villemain, on savait où elle était à 17h32. À 17h32, elle était coincée sur la route de l'Épanche par un troupeau de vaches. Et elle était coincée dans sa voiture derrière un car de ramassage scolaire. Le car de ramassage scolaire de Monsieur Clodo. Et alors les cars de ramassage scolaire ont ceci de particulier, c'est qu'ils ont un disque de contrôle qui a permis de déterminer que M. Clodon était rentré chez lui à 17h32 minutes et je ne sais plus combien de secondes. Ce qui veut dire que Christine Villemain avait pu passer l'appel de revendication du crime puisqu'on sait où elle était. Cet élément
fait basculer l'enquête. La cour, la chambre d'accusation, trois magistrats, dit et juge qu'en l'état, il n'y a pas de charge contre Christine Blaise, épouse Villemain, d'avoir assassiné son fils Grégory Gilbert Villemain. Le 3 février 1993, plus de 8 ans après le crime, la cour d'appel de Dijon innocente définitivement Christine Villemain. La même année, Jean-Marie Villemain est jugé pour l'assassinat de Bernard Laroche. Il est condamné à 5 ans et demi de prison, une peine que la justice a voulu particulièrement clémente pour un crime de sang. À l'issue du procès à Dijon de Jean-Marie Villemain, M. Ruissen, président de la cour d'assises, nous a dit à nous les avocats du couple, présenter au couple les excuses de la justice française pour le mal qui a été fait à Christine Villemain et à son époux. Mais ces excuses ne suffisent pas à faire oublier que la justice a été incapable de répondre à la question essentielle : qui a tué le petit Grégory ? Cela fait maintenant plus de 15 ans que Christine et Jean-Marie Villemain ont définitivement quitté les Vosges. Ils vivent aujourd'hui discrètement en région parisienne. Ils ont 3 enfants et apparaissent plus unis que jamais, comme l'expliquait Christine Villemain lors de sa dernière apparition publique. On nous a tué notre enfant, on avait fait toute notre vie autour de lui. Oui. Donc, je veux dire, l'amour qu'on avait l'un pour l'autre, par la douleur, il s'est encore plus soudé. Plus on nous donnait des coups, plus notre amour automatiquement grandissait. En février 2004, Christine et Jean-Marie Villemain ont récupéré le corps de Grégory pour le faire incinérer. Le petit garçon a quitté le cimetière de l'Épange. Il repose désormais dans le pavillon de ses parents. Marie-Ange et Sébastien Laroche, eux, souffrent encore des séquelles de cette affaire. En ce qui concerne la famille de Bernard Laroche, le drame est là. Sébastien a vu son père tué devant ses yeux. Marie-Ange n'est pas remise aujourd'hui. Et on ne peut pas s'en remettre d'un tel drame. Après 2 mariages ratés, Marie-Ange Laroche vit aujourd'hui seule dans la vallée de la Vologne. Le juge Lambert, lui, s'est laissé emporter par le tourbillon médiatique de l'affaire Grégory. En 1987, il connaissait son heure de gloire en étant invité par Bernard Pivot. Effectivement, nous sommes tous devenus, entre guillemets, des stars. Le mot est vraiment à mettre entre guillemets, hein, oui. Malgré nous. La suite s'est révélée moins scintillante. Sanctionné, Jean-Michel Lambert n'a plus jamais traité de dossier criminel. Il est magistrat au Mans et écrit des romans policiers. 20 ans après, la justice n'a toujours pas su résoudre le mystère de la mort de Grégory Villemain. Un dernier élément pourrait pourtant être exploité grâce au progrès de la police scientifique. Il s'agit de cette voix terrifiante, celle par qui tout a commencé. En analysant cette voix avec des moyens modernes, en la comparant à celle des protagonistes de l'affaire, il serait aujourd'hui possible d'ouvrir de nouvelles pistes. Seuls Christine et Jean-Marie Villemain peuvent aujourd'hui demander de telles expertises. Ils disposent encore de 7 ans pour le faire. En 2011, au terme de la loi, le dossier du petit Grégory sera définitivement refermé. Voilà pour ce document, enquête signée Sophie Le Gall, Frédéric Vézard, Marc Boulet et Mathieu Lé.